J'étais donc parti faire une petite balade hivernale dans les bois, mais bon, voilà, rien à voir avec l'échappement. Un petit souci de carénage pour commencer cette vidéo. Nice, very nice. C'est quoi ce trafic? Je crois que j'ai du persil coincé dans les dents. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Clac, 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 clac. Chef, on a perdu un boulot. Le con, il a frotté la chaîne. Ah. Eh bien, du coup, je suis parti remettre la pièce à la maison pour la refixer plus tard. Pouvoir en racheter une, j'ai vu que ça valait 30 euros. Et comme définitivement c'était pas ma journée, je vous propose une petite suite. Tournez à gauche. Vous êtes sûr? C'est la gueule! Ah bon? On n'a rien perdu? Si, on a perdu un morceau du casque, chef. Galère! Putain, c'est la journée merde aujourd'hui! Putain, avec les tempêtes de vent, partout les broches se sont cassées la gueule, il n'y a plus rien de praticable. Fiche! On va oublier les chemins de forêt. De forêt, c'est la merde partout. Ouh la gadou, la gadou, la gadou. Là. Oh les gars, ça se voit pas, mais alors l'arrière il est parti. Il voulait doubler l'avant. La grosse pigne. Oh non. Oh non. Oh bah si. Ah, c'est un gros vent. C'est ton maïs, qu'est-ce que c'est que ça fait? C'est quoi ce fabuleux? Oh! Oh les rabat-joie! 30! Oh la... Ah, c'est dégueulasse! Ah, c'est vraiment dégueulasse! Ah non, 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 non. J'ai oublié de lancer le pied sur le pas sans accélérer. 30, 30. J'arrive même pas à le faire. Ah. On va dire donc, il est beau le paysage, on attend de regarder. Oh, la vue, quoi, 30, on est sérieux. Ouais,
Dans quoi je vais? Je suis moins sûr maintenant. Ah ben voilà. Une route. Ça freine pas. Faut que je descende. On se moque pas. Oh non de Dieu. Bon, c'est toujours bien de faire un petit tour dans les bois quand c'est bien gras, mais après, il faut passer à la case nettoyage, d'autant qu'il faut que je change le pot d'échappement. J'ai pas envie d'avoir de la terre partout. On voit bien ici, quand le pot d'échappement est chaud, la fissure autour de la chicane qui s'agrandit. Ce support moto, c'était une bonne affaire, mais qu'est-ce qu'il est galère. Après un bon nettoyage, un bon graissage de chaîne. Et bien maintenant on passe au démontage du pot d'échappement défectueux pour remettre le nouveau pris en charge par la garantie par Riejou. Bon, il m'a fallu 6 mois pour avoir la pièce quand même. Alors ça a été facile à enlever, hein. Mais alors pour le remettre, mamma mia. Thank you.
A few moments later. Pas évident. Donc là, je teste un peu les gaz pour faire chauffer l'échappement et brûler les graisses qui peuvent rester d'usine. Et effectivement, ça fume bien blanc. La fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé mes petits déboires mécaniques et à la prochaine.